entendu, nous avons justement rencontré tout à l'heure un responsable de Kelly Laffin, je vous interromps parce que on a des premières images, Dominique Rizet, de l'assaut qui a été donné porte de Vincennes. Il s'agit de l'assaut donné contre la supérette hypercachère. Regardez, ce sont les hommes du raid qui investissent grenade pour ouvrir la porte. Dominique, oui. Daniel Cerdan. Oui. Les hommes sont positionnés. D'ailleurs, il rentre à l'intérieur de l'hypercachère. On le rappelle, où est retranché le tueur de Montrouge, armé de deux kalachnikovs. Il retient en avant. 5 otages. On a les hommes du raid qui pénètrent avec les boucliers. Un groupe d'une dizaine d'hommes équipés. Regardez, ils entrent l'un après l'autre, un à gauche, un à droite. C'est systématique. Voilà, ils ont pris les ouvertures. Qui sont les premiers à pénétrer? Ce sont les tireurs, Le bouclier. Vous avez le bouclier qui vous protège l'ensemble du corps et qui protège. Et on voit ce qu'ils regardent. Les images des gens qui étaient pris en otage à l'intérieur de la supérette qui sortent en courant. Et puis, comme dit Dominique, c'est peut-être des gens qui étaient bloqués dans les portes cochères. Oui. C'est pour ça qu'on avait dit 5 au départ et pour finir, il y en avait 10. Voilà les images qui sont à notre disposition. Images, regardez, de l'assaut que l'on va revoir. Donc, entrée à